Salut mesdames et messieurs, qui c'est directeur douane pays d'Haïti, hein? Monsieur Nankouri. Eh bien, yo joint tout ça dans mauvais acte, dans acte illégal, dans dossier zam ak bandi, dans dédouaner marchandises illégales pour bandi, dans dédouaner zam pour bandi, nous connait comment. Eh bien, yo qu'on a joint pile zam dans Port Lafito, dans Saint-Marc. Eh bien, pays d'Haïti, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est même nèg kap travay dans boîte l'état yo qui responsable ça kap passé là. Chef gang yon qui li même te jwenn arrestation depuis passé 8 l'année, te a bwè prison dans pénitencier et puis FBI a été entré vinn pran tout ça aller avec lui. Et bien yon parlé tant pou pipi rude by FBI et monsieur lagué non toute autorité, tout nèg qui dans l'état qui et c'est des nèg qui pas droite qui dans question zak illégal avec tout nèg li te qu'on a fait kidnapping pour lui, pour yon tout nèg yon te qu'on a pas et bien et bay l'argent qui donc nèg sa ou nan kouri nan moment n'a parlé à la diare prend nèg sa ou parce que chef gang yon décidé pour le parking be crasse yon façon pour ta joine libération plus vite que possible décidé by FBI toute vérité tout non gros chabrak nan pays d'Haïti qui yon même responsable sa kap passé nan pays d'Haïti là. Et bien vidéo ça là nous pote pour nous éviter gen tout reste détail en dedans, pas oublier pour si là qui à peine connecté sur canal ça ou sur TV la caille, abonnez, like, partagez guys, n'a tout rapide. Ça va regarder là qui sort là sur écran monde qui sur YouTube, Facebook, c'est agent ULCC qui en dans bureau directeur général douane Omel Bell. Et pendant ma parole avec là Omel Bell, monsieur, est-ce que monsieur marron, monsieur pas marron, mais monsieur pas descend la douane et pas gain trop monde qui contrôle Omel Bell. Son gros dossier qui a passé là. Et m'te font analyse sur ça samedi. Gagné yon article qui sorti par Haïti Info Pro, c'est premier média officiellement qui parlait sur ça. Mais il y a plusieurs autres tweets qui sorti, etc. Il y a plusieurs informations qui partagent. Les États-Unis décidé annuler visa directeur général douane. Visa DGA li annulé depuis mois d'avril. Mais yo informé DGA ça dans mois de mai, bien que DGA dit il n'a pas été informé. Bon, c'est politique, donc à comprendre. Cependant, poussière pas souvent levée sans vent et nous parler avec un pile moun, un pile source dans divers coins qui confirmer information. Avant bay impression sur ça. Faut me rappeler avec un pile nèg qui a fait des losailles dans le pays actuellement, surtout marchand balle, marchand zam yo. Actuellement là nèg sa yo bon, pour une fois yo pas fin à l'aise dans le pays. Et vini chercher yon pour venir vers les États-Unis, gen un pile bagay que ne pas ka ignorer là-dedans. Et yon commencé par li. Et nous avons saisi le jour qui a venu là, il y a un gros DG, un gros ministre, un gros sénateur qui a pris le code. Il y aurait un Thériel Télus. Nous avons saisi le jour qui a venu là, des parlementaires anciens ou nouveaux, ou bien anciens et nouveaux, des directeurs généraux, des ministres, des secrétaires d'État. Également des maires ou bien des hommes d'affaires, nous risquons ou nèg sa yo même jour ou te vin pran yon et bien gen pile nèg la qui sous contrôle, gen pile nèg la et yon cherche ti bay, yon cherche parce que yon commence par le tout. Et monsieur commence par le parce que pas oublier ici aux États-Unis, même si on a fait réticence, gen ti technique que au café pour parler. Et monsieur a parlé. Parce que autant de fois, bon, tout dit mon yo ça, la justice américaine gonjan fonctionne. Autant de fois ou d'accord pour collaborer, ça diminue sous peine. Allez, si vous devez faire 30 ans, ou ka ou fait n'importe, ou ka ou saisi ou fait 15 ans. Un exemple comme ça. Ça veut dire que autant de fois d'accord pour collaborer, c'est autant de fois ou diminuer sous peine. Ok? Donc attention, donc en pile nèg qui se marchand balle, marchand zam dans le pays d'Haïti, rete branché.
Donc rete dormi, on rete dormi, manger dormi tout mais ou capable fin faire reston dans pays. En tout cas. Maintenant, ULCC débarqué dans bureau directeur général douane. Image n'a regardé là, mes amis, c'est pas fabriqué. C'est bagaille réel. C'est ULCC brigade anticorruption qui dans bureau directeur général douane. Et m'pral ba une gros information là. Gros tonton information m'pral ba là. Et ULCC quand même li capable intelligent mais gen prudence, il m'pral garder ça. ULCC débarqué, ULCC pas seul. Contrairement à ça, puis l'autre monde pensait. ULCC te gen avec lui des agents BAF, Bureau des affaires financières qui dans DCPJ. D'après information nous recevons. Gen moun qui commentait qui dit que comment fait ULCC décider débarquer dans bureau directeur général douane non sans que c'est pas le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince qui réagit. C'est pas le parquet. OK. On t'a questionné ça tout. À qui autorité ULCC décidé sans pas de flagrance pour débarquer dans bureau en directeur général des douanes. Et m'a rappelé paysan yon nèg qui sont directeur général des douanes, li gon gros responsabilité en matière de la sécurité publique. Pas blague non. C'est pas blague non la société. Maintenant, le ULCC décidé débarquer dans bureau directeur général là sans pas de flagrance et qui ça l'a fait en plus? Là le poser c'est les ça veut dire entre autres bon me dit bito entre parenthèses ça veut dire le directeur général des douanes a été révoqué par l'ULCC. Attendez bien au pays parce que faut nous comprendre en jeu de bien là parce que si l'ULCC décide à le poser c'est les ça veut dire pendant ma parole avec là directeur pas capable à le rentrer dans bureau parce que pour le rentrer dans bureau lui c'est soit ULCC lui-même décidé pour lever ses liens, ou bien t'as un juge instruction qui peut être concerné par cette affaire, qui t'a décidé de lever ses liens. Que pas quoi c'est ça qu'a fait. Et, qu'on y a ça pour aller garder, sans pas besoin aller comme si dans fond sujet, hein? Si ULCC a un pouvoir pour le faire ça, m'ban garantie la société. Tendez bien ça m'a dit là. ULCC pas seul. Moins clair sous ça. Si ULCC capable gain autorité pour agir comme ça, m'bon garanti. ULCC gain un gros bras ou bien un gros bois qui derrière. Entre un gros bras ou bien un gros bois, m'baron qui est-ce qui derrière ULCC, mais ULCC pas seul. Moins clair sous ça m'a dit nous. Et m'bral expliquer nous ça. Parce que nous-mêmes n'avons pas d'informations, n'avons pas analysé, n'avons pas essayé de comprendre tout. Le directeur général des douanes, c'est un nègre qui nommé par un arrêté présidentiel. Attendez bien, pays, parce que moi, dans pile monde qui fait analyse, mais souvent, nous parlons dans le fond. Directeur général, là, monsieur, c'est un nègre qui nommé par un arrêté présidentiel. Ça veut dire, pour nous remplacer, faut gagner l'autre arrêté qui sorti. Automatiquement, gon arrêté de sorti, la remplacer arrêté qui était nommé comme DGA. Mais tout autant pour qu'on fait arrêté à sorti, c'est grimace n'a fait. Autant de ça, hein. C'est vérité, bon bail. Nous pas défendre personne à qui intérêt d'ailleurs. Et pas qu'à prendre position tout mes amis. On va fâcher parce que mais ULCC sont entité dans l'état. On a faut regarder des autres là l'état qui a goumak l'état mais qu'on a ça pour regarder est-ce que ULCC agit seul parce que attention si ULCC pas gon main invisible derrière logiquement l'état supposé gagner parce que pas gagner président pour ULCC ta fait ça le faire parce que pas gagner flagrance l'état supposé joindre autorisation le premier ministre. Est-ce que Ariel te ba avali pour ULCC fait ça? Bon, par contre, na ici garder ça loi ou dit sous ça. Et même si Ariel pas ta ba avali, ULCC folta au moins me penser ta joine
yon quand même yon support de au moins le ministre des Finances, au moins. Imaginez ça. Parce que le parquet pas intervenu, ULCC directement concerné, est-ce que c'est enquête ULCC qui aboutit, qui fait le réagir? Attention, hein. Parce que m'apte de mon gars dit, bagay information sur les réseaux sociaux, c'est pas ça. Gayon média qui joint l'information, même j'en Tripfou Midi ka joint ni Gazette, n'importe l'autre média, Juno 7 te ka joint ni, et puis au traitel, vente bœuf, etc. On vente bœuf, gen le, pas d'ap traitel, bon, on quitte ça. Ok, maintenant, ça veut dire, si média gen contact, li gen information, li partagel. Même j'en New York Times sorti un article, parce que c'est blanc, depuis c'est blanc, amen. Mais kou c'est haïtien, yon voye l'an coin. Ben ça dit, Gampil. Gampil bay mwen e gap di blanc di, c'est bay m di mou van di déjà, oui. Mais c'est haïtien ni ou pas balval. Et puis coup blanc parle, c'est amen. Tout nèg a répété Miami Herald, New York Times. Mais tété dit en pile dans ça, mais ou pas me dire ça tété dit. Si ULCC ka agi comme ça, ça veut dire parce que si pas gen flagrance, ça veut dire ULCC comme unité de lutte contre la corruption, li gen évidence. Attendez bien. Parce que m'pa quoi ULCC pral réagir sous coup d'émotion. Parce que le tendez, monsieur que ULCC, c'est une instance que pays a supposé faire crédit, ça veut dire que s'il réagit de telle sorte, c'est parce qu'il y a un élément dans elle. Ok. Qu'on y a qui s'est passé pays a? Le ULCC débarqué comme ça. Est-ce que nous réfléchis en pile bagarre était qu'a passé dans douane? Parce que nèg débarqué douane tout gain agent sécurité etc. Donc en pile bagay te ka passé. Mais contrairement à Max Amonabdi de Romel Bell, parce qu'en pile monde dit monsieur son bon nèg etc. Parce que Haïti gon bagay des bon nèg son nèg qui paraît liquide comme si ka serve nèg gak facilité gè l'argent, yo dit son bon nèg même s'il ta nan corruption. Et c'est là piège là gen dans pays. Même si nèg la ta nan corruption, automatiquement, ce n'est qui c'est viable, surtout avec des journalistes. Donc, nèg ça, c'est nèg qui pi bon nèg qui existait. Premier bagage que moi te dénoncé ici, hein, dans l'émission, et c'est peut-être ça te pral coûter la vie, yon inspecteur, malheureusement. Alors que, en vérité, m'pa kon inspecteur, m'pa jam kon monsieur. D'ailleurs, monsieur mouri, m'pa jam kon bagage comme ça, c'est pendant dossier ça, et puis m'vin informer, me renseigner de ça qui t'est passé. Directeur général douane, non, monsieur Vini, et moi te dit ça avant hier, nous te présenté dans série de zam, nous te saisi dans douane. Non. Zam ça a été saisi dans Port Lafito depuis l'année dernière. Nous avons toujours retourné pour nous faire la société, mais au sous-écran. Toute partie de yo. Les âmes sa ou saisi, et c'est pas première fois ça arrive. C'est presque chaque week-end, te gen yon quantité d'âmes qui saisi dans Port Lafito spécialement. Yo vin saisi âmes sa ou n'pral gade sous écran là. Après saisi ça, sa, pas jamais gen saisi qui fait encore vraiment. Que rarement, gen wagon ti bay, mais. Après gros saisie, ça pas jamais gen saisie qui fait encore dans Port Lafito. Alors que c'était presque chaque week-end, te gon quantité zam yo saisi dans port là. Ou même comme citoyen avisé qui sont ou ka di bon zam pas rentre encore. Zam rentre pi red. Bandi yo joine zam pi red, yo joine cartouche pi red. Et 80% c'est dans douane yo passé. Qui ça t'a pral faire réagir sur dossier ça? L'homme a checké pour moi pas gain yo m'pa jam tande OBLTS parce que on est bon qu'on a fait Tichel Bert temps en temps écrit notre OBLTS font coup là-bas on connaît. Yo pas jam bay douane crédit à 100% mais c'est douane qui souvent fait saisie yo et puis relé BLTS pour backup. Ou bien l'autre policier qui présent. M'pa jam tande ça depuis quelques temps. Il m'a mené une investigation pour me connaître ça qui passé what's going on? Est-ce que nous connaissons la société après saisie zam sa yo, tout agent qui était dans service vérification douane yo changé tout yo transféré dans l'autre service
Tendez bien ça m'a dit nous là. Depuis saisi ça, pas jamais gen saisi vraiment qui fait dans douane. Surtout pour la Phyto, Société Soleil. Et puis là mal mené investigation moi que tout agent qui t'est participé dans forme de saisi ça yo, yo tout transféré dans l'autre service. Ça fait un. Deuxième bail mal gardé encore. Gayon paquet nèg qui nèg ak fòm kap travay nan douan nan son paquet ti jèn ki pa gen compétence ni expérience. Et même youn nan directeur ki proche de géant, m ka cité samedi. Monsieur pa gen niveau pou job la. Mais ou metel ta kon j'approuve. Gagné bon information m'a bousqué triboy baba m tellement checké sous douane de temps en temps projecteur m souli gen moun k ap travay nan douane ki ta semblé pas même faire filo sous DG ça qui là parce que faut regarder parce que nous même faut poser problème pays a alors qu'en réalité pour venir comme agent douanier conseil de poste pour remplir nan douane nan faut passer dans l'école des douanes ou bien gen jeune qui sorti dans INAPS normalement qui gen compétence que yo prend mais ça monsieur fait gen n'importe 500 employés là pendant temps là majorité là ou pas gen compétence et qu'on y a moun qui gen 10 15 ans dans douane non yo pas prend promotion et gon paquet yo changer poste et surtout dans service vérification pas grand ken côté sous la tête ou capable éliminer service vérification en douane parce que c'est l'élément clé qui pourrait aider nous combattre corruption en douane et puis qui utile pays à tout. Tendez bien la société. Depuis le samedi on toujours comme si on te font émission sur ça bah ça. Kounya l'homme vient à dossier ça la douane tête en bas. Nèg ap chèche konnen qui est-ce qui ba tete information et cetera est-ce que c'est pas X est-ce que c'est pas Y. Mais moi-même, je suis journaliste. Je suis toujours mené une enquête. Je suis une série de boîtes dans le pays, institution, l'État, public, pour me garder qui ça va aller. Si on public, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est nous qui l'État. C'est le peuple qui a payé les taxes. Moi-même, comme citoyen, si j'ai une possibilité de mener une enquête pour jouer une information, je partage avec le pays. Première conséquence. Tendez la société. Gagné yon inspecteur qui était dans le service vérification. Monsieur était très utile dans douane. Monsieur était comme ça disparaître. Tendez au pays. Et pas ti bagay qui a passé dans le pays là. Monsieur était comme ça disparaître. Yon inspecteur dans douane. Et puis là monsieur disparaît. Et puis on cherche lui. Monsieur Terre les Francis Louis. Et puis il a rejoint monsieur Mouri boulé dans machine sous tabar là. Suivez mon regard. Et le nan mené enquête, nous monsieur son nèg qui te gan pile pression sous dol parce que yo t'a accusé monsieur comme nèg qui partager information douane avec la presse. Au diable. On s'il te fait la cloche et pas ta même. Et m'a tout conseillé en série de monde, tout qui n'ont série d'institution. Et pas tout le monde nous partager dans une série d'informations sensibles à qui. Parce que quand pile traite tout dans le métier ça. Ben la société écoute. Qui donc, ça fait douane commencer à bâtir des problèmes quelque temps. Eh ben ça a continué. Gon le, lorsque il y a un problème de temps en temps, vérification, il y a besoin de zam, l'autre bar après entrer, des blousailles. Sous Jovenel Moïse là, carrément la société, même si on est arrivé aujourd'hui à Kembral Dino, entendez, serveur de Wannan l'écraser. Le salade douane presque fait 2 semaines dysfonctionnel. Parce que serveur de Wannan écrasé. À la pays difficile, monsieur. Eh bien, la société tendez. Pays a sous encore rebloqué. Dans niveau ça,
parce que pendant ma parole avec là, elle allait créer une maquille. C'est vrai, doit n'écraser. C'est vrai, doit non. L'écraser. L'y saboter. Kounia, attention, et c'est ça me dit d'ailleurs. Où est que syndicat doit non qui ma nèg qui fait syndicat c'est des directeurs. Directeur. Et cette fois, ouais, actuellement, la douane apparemment en grève. Mais ce n'est pas forcément employé ou non. C'est parce que c'est directeur qui fait partie du syndicat douane, non? En termes de solidarité avec le DG, Kounia a dit que agent ULCC a vint saboter bureau. Mais il y a une image. Dans l'image qui partage, mais par un Kenba qui sabote, il n'y a pas agressif. Et l'image là, tout le monde a vu. Ok, c'est vrai, on est capable de toujours dénoncer, etc. Ça va être fait comme ça, mais pas de agressivité. Mais agent ULCCO là, qui est dans le bureau pour le web, tranquillement, pas de Kenba qui crase, pas de rien. Nego dit que agent ULCCO sabote le bureau directeur. Et pendant ma parole avec là, serveur douane, l'écrasé. Il aurait le matériel de l'us. Et qu'on y a menacé pour y faire ULCC pour te faire doua. Et bien, disparaître, non? L'écrasé. On a dit, bon, parler de nos langages qui plus simple. Pour moi qui a attendu un peu partout. Là, on dit serveur, ça veut dire c'est ça qui kembe tout ça gagne en termes de données. C'est comme si on a dit base de données. En informatique, c'est ça on a dit. Ouais, ça a dit c'est on base qui kembe toutes données, tout ça qui rentre, sorti, etc. Bah, tout bagay sa yo, yo stocké en côté, yo kembe en côté. C'est serveur qui kembe yo. Eh ben, l'écraser.